Aujourd'hui, je suis à l'Hôtel de Ville pour le dévoilement de la 4e édition du Festival Orientalis, qui va se dérouler du 29 août au 1er septembre au Vieux-Port. Programmation et ambiance générale dans ce topo! Pour nous parler du festival. Donc, qu'est-ce que Orientalis tout d'abord? Alors, Orientalis, c'est un festival qui est gratuit, qui a lieu au Vieux-Port de Montréal pendant 4 jours et 4 nuits, du 29 août au 1er septembre. C'est un festival des cultures orientales. C'est un festival qui permet à tous les Montréalais de découvrir ces cultures, ces merveilleuses cultures, leur diversité, leurs traditions, leurs coutumes, leur art. Donc le Festival Orientalis, c'est un lieu de rencontre pour toute cette culture, pour tous ces culteurs, pardon, ici à Montréal, avec évidemment la culture occidentale comme une fusion orientaliste. C'est vraiment une fusion, un lieu de rencontre où tout le monde peut fêter ces différentes cultures. Il y a plusieurs prestations en soirée, des prestations majeures, comme par exemple sur la scène Loto-Québec. En soirée, on a des gros groupes comme notre création, la première création d'Orientalis cette année, Inca Night. C'est la clôture du festival le 1er septembre 2014, le lundi 1er septembre 2014. On a aussi 50% ou environ de la programmation qui est une programmation internationale. On a 3 groupes algériens qui viennent directement d'Algérie en partenariat avec l'art. On parle d'Imzad, Terbaat, et il y a aussi Nassim Jezma et son groupe. On a aussi des artistes internationaux qui viennent des États-Unis comme Darka Band. On a beaucoup d'artistes locaux aussi. On a Alpha Tiam qui va nous faire découvrir l'Afrique. On a aussi Hugh Newman et son groupe Raglila qui vont nous faire découvrir l'Inde. Donc voilà quelques spectacles de la scène Loto-Québec. Où il y a pendant la journée des spectacles en continu, de musique du monde ainsi que de danse. On a aussi les espaces pays où plus de 15 pays sont représentés. Et là, dans cet espace-là, le festivalier, vraiment, il s'imprègne de toutes ces cultures parce qu'il va y avoir des dégustations, il va y avoir des défilés de vêtements traditionnels de chacun des pays. En plus, ce volet prend de plus en plus d'ampleur cette année. Et vraiment, il va y avoir la Palestine, il va y avoir le Maroc, il va y avoir l'Algérie, la Tunisie, la Chine, il va y avoir l'Inde, le Pakistan, et l'Irak, l'Iran, ben, j'en passe, vraiment énormément de pays. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
développer cette année aussi. On a la tente Jam Session, Libérez vos cordes, pour que les spectateurs d'Orientalis deviennent acteurs du festival, qu'ils ne fassent pas qu'absorber la merveilleuse musique et les merveilleuses traditions, mais qu'ils fassent partie, qu'ils soient interactifs avec les artistes. Donc ils pourront eux-mêmes aussi jouer de la musique dans cet espace-là. On a aussi le concours de danse cette année, où les danseurs amateurs de Montréal, La Relève, peuvent aussi nous montrer ce qu'ils font. On a vraiment les restaurants, les délices d'Orient, évidemment. Bon, alors tous les volets qui reviennent à chaque année. Et plusieurs nouveautés cette année encore. On voit un aperçu? Oui. Alors voici quelques images et vidéos pour vous donner de l'eau à la bouche. Avec nous, deux membres du groupe Salamat Gnawa. Badr, Rachid. Alors, parlez-nous un peu de vous. Ok. On pourrait dire qu'on est un groupe de Gnawa Fusion. Dans le groupe, on est sept membres, sept musiciens. À la tête, il y a le Mellem Rachid Salamat, qui est venu de Maroc, spécialement pour jouer au festival. Et moi, je suis à la guitare. Il y aura saxophone, synthé, batterie, puis violon. On essaie de mélanger le style de Gnawa, musique traditionnelle, avec des musiques modernes comme du rock psychédélique, du jazz, de l'afrobeat, pour s'approcher à un public qui ne connaisse pas ce genre de musique et faire découvrir nos traditions. Voilà. Ok, donc vous jouez au festival. Quand, à quelle heure? En fait, on joue au festival le 1er septembre. Soyez nombreux, puis ça va être à 5h je pense, 4h30. Gal mgharba, fhamti nhadr معاكم direct بالعربيه, مرحبا بكم اللي بيت صنت القناوه وفهمتي اللي فيه اللي فيه الحليبان, مرحبا به le 1er septembre inchallah, من 4h30 c'est 1h30 de show. Alors, Donc voilà, l'invitation est lancée, on vous attend en grand nombre le 1er septembre pour voir Salamat Gnawa. Yeah.
retour à Riwa, donc je vous laisse vous adresser à votre public montréalais. Alors ne manquez pas Orientalis, un festival gratuit pendant 4 jours, du 29 août au 1er septembre, qui est au Vieux-Port de Montréal, qui vous fera voyager aux quatre coins du monde, dans un ailleurs, mais ici, en plein cœur de Montréal. Vous allez découvrir de merveilleuses cultures, et puis vous allez voyager. Et puis, je vous conseille d'être parmi nous, parce que c'est le dernier festival de l'été, et puis c'est gratuit, et puis tout le monde s'y trouve son compte. Donc, soyez parmi nous, parce qu'Orientalis, c'est vous. Oh, et bien, l'appel est lancé. Ne manquez pas ce rendez-vous au Vieux-Port du 29 au 1er septembre.